Salut, bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan du 27 et aujourd'hui on se retrouve dans Battlefield 3 dans la map Opération Métro pour un petit World Bridge pour permettre de faire un petit out of map et même exclusivement mondialement faire un petit under of map, c'est-à-dire aller en dessous de la map. Donc voilà, vous montez sur les trucs électriques, vous montez sur votre ami qui se met allongé exactement comme on l'a fait, vous montez sur lui et vous montez comme si vous passez par-dessus un petit muret au-dessus de la porte. Ensuite vous pouvez mettre une balise de réapparition, ça fonctionne, ça fera apparaître votre ami juste là. Donc de toute façon on l'a fait pour bien vous le montrer parce que au début on allait croire genre on allait arriver en parachute ou un truc en glitch. Mais non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bon, je vais faire un petit tour du propriétaire parce qu'on se balade tout au-dessus de la map. Donc ici j'ai essayé de monter comme un tarien et je n'ai pas réussi. Voilà. Alors vraiment on se bat tout au-dessus de la map, c'est vraiment très 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 intéressant, on découvre la map au moindre détail, hein. On se bat vraiment partout. Bon, le problème c'est que quand on arrive au bout, on n'a plus de... Enfin c'est cul-de-sac quoi. Et c'est justement quand on arrive tout au bout de Opération Métro, c'est-à-dire quand vous allez au bout du guichet, où il y a le guichet, vous voyez, il y a l'entrée pour aller à l'extérieur du bâtiment, bah à ce moment-là, au lieu d'aller à l'extérieur, on va aller en dessous de la map. Et voilà, donc. Je fais une petite visite, là je voulais juste voir, vous prouver que, parce que j'aurais sûrement des questions, genre est-ce qu'on peut prendre les drapeaux, parce que je suis en conquête, comme bien sûr vous aurez remarqué qu'on est que Jeff du 27 et moi, parce que si vous voulez tout savoir pour avoir son serveur, enfin tomber dans un serveur où il n'y a personne, c'est-à-dire être tranquille, allez voir ma vidéo, que ça s'appelle comment avoir un serveur privé gratuit, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est très intéressant pour au lieu d'acheter un serveur privé qui coûte quand même assez cher. Enfin assez cher pendant, je crois, pour un jour, 1,50€ pour un jour. Bref, c'est quand même cher quoi. Et bon, ils ont raison parce que si c'était gratuit comme dans Call of Duty, Modern Warfare, par exemple, bah personne jouera en ligne puisque en match privé, vous pourrez vous amuser avec les avions, tout. Et ça serait un peu gâcher le jeu et même il y aurait beaucoup moins de gens en ligne et voilà. Voilà, c'est un petit truc là, en même temps en sautant sans faire exprès, j'ai vu que on dépasse le plafond, enfin le plafond du plafond, hein, parce que nous sommes déjà au-dessus du plafond. Donc voilà, ça c'est bizarre. Hein. Et oui, il y a un petit truc où on peut monter. J'espère que cette vidéo vous plaira, hein, parce que je pense que j'ai eu quelques vidéos de ce bug là. Mais je les ai jamais vus aller aussi loin au-dessus des toits, et même, je crois, exclusivement, ouais, je crois qu'on est les seuls à avoir trouvé un under of map, et c'est vraiment par hasard qu'on l'a trouvé, parce que là, j'avance, je me suis dit, tiens, je vais descendre, oh, tac, hop, je me suis blessé, sans mettre de parachute, j'ai pris le risque, après j'ai fait, Jeff, tu descends? Et après, il a fait quoi? Non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment énorme, parce qu'on l'a découvert vraiment en live. Voilà, donc moi je sais pas pourquoi j'avais pris mon micro drone. Ouais, il va poser sa balise. Voilà. Voilà, là comme toute bonne chose, il y a une fin. On est en dessous de la map, on pouvait remarquer. Mais un moment. 1, 2, 3, au revoir. Voilà. On tombe dans un trou noir infini. Donc voilà, on tourne en rond comme des trisos. Voilà. Donc là, on va passer justement par un petit bonus. C'est assez marrant parce que on avait trouvé avec Jeff, avec deux gens, LOL Dutch et un Belge qui s'appelle José, je me souviens plus de son pseudo, je les remercie. On avait trouvé un moyen de s'empiler et on se tapait quand même de pas mal délire. Donc max de gemmes, c'était vachement marrant. Nous sommes vraiment empilés 4. Voilà, moi je suis tout en haut avec mon micro drone, hein, si vous voulez tout savoir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si les glitches vous amuserez avec, j'espère bien. Je vous dis bye et à la prochaine. Et admirez l'empilation Playmobil en avant les histoires. À la prochaine.